Et oui, les amis, c'est grave. Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste, est cancel par les woke de Twitter. Vous savez pourquoi? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Fabien Roussel est pro-chasse. Il veut engager 30 000 flics, plus que les partis de droite. Staline, avec le NKVD, il y avait plus que 30 000 agents, je suppose. Pro-chasse, il a peut-être compris que fallait réguler les sangliers, parce qu'autrement, il y en a partout. Et oui, il y a 200 ans, on a liquidé tous les loups, donc faut bien quelqu'un pour les supprimer, les sangliers, autrement, ils popent par millions. Tels des mobs, c'est plus possible. Autrement, tu remets des loups, mais par contre, là, les agriculteurs vont pas être contents. Et oui, les amis, bienvenue dans la campagne. Ils refusent l'idée de décroissance. Mais après, oui, comment tu vas nourrir les peuples, avec la soupe populaire aussi? D'austérité énergétique, de production raisonnée, sans prendre en compte l'épuisement de la terre et des bêtes. Pour moi, c'est un gros cancel, rip le Parti communiste français. Et oui, le PCF n'était pas assez woke, dommage. Donc voilà, c'est officiel, les woke ont cancel Fabien Roussel. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, mais la chasse, c'est bien. C'est même un truc de gauche, puisque acquis par la révolution, qui permet de nourrir à moins de frais sa famille. Plus de flics, c'est plus de sécurité. C'est exactement ce que demande le peuple, et la sécurité est un droit inaliénable. C'est quoi, on dirait un troll de gauche, je sais pas. Donc voilà, les communistes sont cancel parce que pas assez woke. Georges Marchais, côté cancel aussi. Ah, la décroissance, c'est un truc de bourgeois apparemment. La décroissance, c'est un truc d'urbain riche et valide. À un moment, il faut le comprendre pour travailler sur les limites du concept. Et oui, apparemment, Roussel aussi est pour le nucléaire, et ça, ça appelait pas woke. Alors que pourtant, on l'avait vu sur la map électricité, on est dans le vert, grâce au nucléaire. Donc c'est toujours bizarre, ça aussi. Qu'en pense l'élite? C'est succulent Twitter en ce moment. Tous les gauchistes qui ragent sur Roussel. Dans tous les cas, c'est max 1%. Qu'est-ce qu'on en a à faire? El famoso max 1%, bah oui. Le serpent qui se mord la queue. Ah oui, t'as vu Roussel qui redpile en direct les Français sur la sobriété énergétique. Les bottelins France insoumise qui ragent dans les commentaires. Roussel est finito. Roussel, le seul vrai communiste, n'en déplaise au coq gaucho. En tout cas, qu'est-ce que vous pensez de ça? Êtes-vous pour Roussel ou pour les woke qui l'ont cancel? En tout cas, c'est amusant. C'est toujours les news rigolotes de tweeter. Les gauchistes qui utilisent Netflix, avec en bonus Twitter, Snapchat, TikTok, ultra polluant pour la planète. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est à géométrie variable ça, tu n'y peux rien. Et voilà, apparemment, il y en a qui disent que Roussel c'est le meilleur candidat de gauche, mais il est cancel, c'est zinzin. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était le Premier Consul, allez à plus, à Mogus.